Good morning, allez Yiden, les suisses aujourd'hui le lundi matin. Dov ben Yehudit et Vedram Rambam ben Chedva, Chaya Esther bat Miriam, Itrek Beretz ben Fortuna et Chaim Michal ben Sultana. Si vous êtes aidés, la prochaine étude de la Mishnah contacte le Seigneur notre Éternel. Nous étudions Masechet Shabbat par Yud Bet, Mishnah Gimel Hakotev Shte Otiot ben Bimino ben Bismolo ben Mishamet Rad ben Mishnei Shemot ben Mishnei Samemaniot Bechol Lashon Chayav. אמר בי יוסי, לא חייבו שתי אותיות, אלא משום רושם, שכך היו כותבים על קרשי המשכן, לידע איזהו בן זוגו. אמר רבי, מצינו שם קטן משם גדול, שם משמעון ושמואל, נוח מנחור, דן מדניאל, גד מגדיאל. On commence dans notre Mishnah à étudier l'interdit de כותב, qui va se continuer jusqu'à la fin du Pérec, c'est-à-dire Mishnah Vav, donc ça va nous faire Gimel Dalet et Vav, 4 Mishnayot sur l'interdit d'écrire à Shabbat. La Melacha d'écrire à Shabbat, qu'est-ce que ça inclut, quelle quantité, de quelle manière, c'est ce qu'on va découvrir. Et on commence tout de suite à côté de Shtotiot, celui qui écrit deux lettres. Ben Bimino, Ben Mismolo, qui les écrivent avec la main droite ou avec la main gauche, Ben Mishem Echad, Ben Mishne Shemot, qui les écrivent d'une seule sorte, attention, c'est pas d'un seul nom, c'est d'une seule sorte, ou bien de deux sortes, c'est-à-dire qu'ils répètent deux fois la même lettre, ou même deux lettres différentes, bien évidemment. On va tout expliquer, bien sûr, mais d'abord je traduis. Ben Mishnei Samemaniot, même s'il les écrit avec deux couleurs, d'accord, des Samemanim, c'est deux espèces d'encre. Bechol Lachon, et même quelle que soit la langue dans laquelle il écrit, Chayav, eh bien il sera condamnable, parce qu'il a transgressé l'interdit d'écrire à Shabbat, et on explique un petit peu de quoi on parle. L'interdit d'écrire, et la Mishnah, elle commence à me dire qu'il faut nécessairement écrire deux lettres. Pourquoi deux lettres? Parce que deux lettres, c'est le minimum requis pour que ce soit compréhensible, pour qu'on puisse écrire quelque chose qui soit compréhensible. Avec deux lettres, on écrit une chose, particulièrement en hébreu, mais ça changera même pour les autres langues. Comme ce qu'on va découvrir en réalité dans quelques secondes, avec les deux lettres du Parthénois, que donc deux lettres, ça commence à prendre une certaine signification. Donc il y a quelque chose de conséquent. Donc ceux qui écrivent de lettres à Shabbat, pensent que c'est interdit. Ça c'est pour les deux otiot. La Mishnah précise, même ben bimino, ben mismolo, que ce soit avec sa main droite ou sa main gauche, Barthénois nous rapporte que l'on parle, qu'il est ambidextre, donc qu'il écrit normalement des deux mains. Par contre, s'il écrit mal, par exemple, s'il est droitier, il va écrire avec la gauche, la lettre, elle va un petit peu, elle va danser quoi, il ne va pas écrire de manière nette. Sa manière d'écrire, c'est un chinouille. Ça s'appelle qu'il a chariad. Il a fait de manière non conventionnelle. Et il ne sera pas condamnable. Ben Mishem Echad, Ben Mishne Shemot. Qu'il s'agisse d'une seule espèce ou de deux espèces de lettres. C'est-à-dire qu'il répète deux fois la même lettre ou deux lettres différentes. Je vous ai dit, il y a à écrire deux lettres qui ont un sens. L'Agma apporte l'exemple de Dag, un poisson. Dalet Gimel, ça fait deux lettres qui ont une mashmout. Mais la Mishnah précise même si c'est deux lettres d'une même espèce. Et là, ça devient un petit peu plus délicat, parce que le Barthénois va nous dire même si c'est deux Aleph. Comme ça, c'est rapporté en réalité dans plein de régionimes, dans Rashi, dans le Ran. Il y a un long Rebbe qui veille hier, et Tiferet Israël qui rallonge sur le sujet, parce qu'écrire deux Aleph en hébreu, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on n'aura pas encore pu lire. On aurait pu interpréter la Mishnah, en fait, par quelqu'un qui va écrire Gag, un toit, Dad, un saint, ou un Vav. Ça peut être un vav, ça peut être un vav, la lettre vav, d'accord? Zaz, il a bougé, mais pas aleph aleph, ça n'a pas de sens. Et d'où la question. C'est reporté comme ça ici, et le Rebbe Kevayger repousse ça. Il s'étonne, c'est pas logique. Et il y a un antivers Israël qui prouve que malgré tout, dès qu'on écrit deux lettres, c'est en déjà rien, d'accord? Ben Mishnei Samemaniot, même qu'il s'agisse de deux espèces d'encre, malgré tout, à partir du moment où le but d'écrire, c'est de pouvoir véhiculer une donnée, écrire, graver une notion, même de lettres, même si c'est de couleurs différentes, on est chayav. Et la dernière précision, c'est Bechol Lachon, quelle que soit la langue. D'accord? Tu veux écrire même en deux lettres en chinois, deux lettres en français, en russe, ce que tu veux, deux lettres, on est chayav constamment. Amar Rabbi Yossi, lo chayivu shtei otiyot, et la mishum roshem. Rabbi Yossi nous dit, non, attention, précision super importante, il est cholek en réalité, il nous dit, on est condamnable. Tout l'interdit de jeter au tiot, d'écrire deux lettres, en réalité, c'est Mishum Roshem. C'est sur le fait que tu écris un signe. C'est pas parce que tu écris une lettre, on s'en moque des lettres. Même si c'est deux signes. Et il nous précise quelle est sa source.
Shekach Hayukotvin al-Kar Sheya Mishkan. Car ainsi ils les écrivaient à l'époque du Betamigda, du Mishkan, lorsqu'on rencontre le Mishkan, ils écrivaient sur les Karsha Mishkan, sur les poteaux, les poutres du Mishkan. Donc, pour pouvoir Leïda et Izehu Benzogo, pour savoir quel était celui qui allait aller à côté de lui, pour s'assurer que chaque Keresh, chaque poteau, poutre, qu'on allait la remettre à la même place, il y avait une grande nécessité de faire dans le sens que chacun revienne à sa place, celui qui est à droite, il reste toujours à droite, même si les poteaux sont plus ou moins les mêmes, malgré tout, on veut que ce soit celui qui est en première, en deuxième, en troisième position, chacun à sa place. Et alors, là-bas, ils n'écrivaient pas des lettres, ils écrivaient des signes. Et de là, il nous dit, Rabbi Yossi, dès que tu vas écrire deux signes, de manière à ce que maintenant, tu vas pouvoir reconnaître l'emplacement de chaque chose, eh bien, tu es Chayav, Mishum, Kotev, ou Mishum, Rochem, plutôt, parce que pour lui, je pense que dans la Mishnah, il faudra dire le mot Rochem au lieu de dire Kotev. D'accord? Quand il écrit dans Kotev Mochek, d'après Rabbi Yossi, il va dire Rochem ve Mochek. Et voilà, l'alacha n'est pas établie comme Rabbi Yossi, il faut nécessairement écrire deux lettres. Deux lettres, mais attention, deux lettres en n'importe quelle langue. Ça veut dire que si par exemple tu vas vouloir mettre deux croix, une croix c'est un X en français, tu vas vouloir mettre un triangle c'est un delta en grec, il va falloir que tu trouves que tu fasses deux signes qui n'ont pas un trait et un petit rond, si toutefois tu vérifies si c'est pas dans aucune langue c'est pas une lettre, alors là tu ne seras pas chayav. Et je continue la Mishnah maintenant avec l'avis de Rabbi. Amar Rabbi, Matino Shem Katan Mishem Gadol. On a trouvé aussi que l'on est chayav, même si l'on écrit un petit nom qui provient d'un grand nom. À titre d'exemple, Shem, Mishimon ou Mishmuel. Le mot Shimon et le mot Shmuel, il y a plusieurs lettres, dans chacun il y a cinq lettres, mais on commence à écrire Shin Mem. Dès que tu écris deux lettres, les deux premières lettres, tu es déjà chayav. Même si tu avais l'intention d'écrire tout le nom, tu écris les deux premières lettres, tu es déjà chayav. Ou encore Noach Minachor. Tu voulais écrire le mot Nahor et t'écris Noach. Noach, c'est un prénom aussi. Dan, mi Daniel. Tu voulais écrire Daniel et tu avais commencé à écrire Dalet Nun et tu t'es arrêté là. Gad, mi Gadiel. Tu voulais écrire Gadiel, tu as écrit le mot Gad. Dès que tu as écrit deux lettres, même si tu avais l'intention de faire un très grand travail, pour toi, si tu n'écris pas sur ton livre que tu t'appelles Daniel, donc tu as voulu écrire Daniel et tu t'es arrêté à Dan ou hein, tu t'appelles Nahor, tu as commencé à écrire Noach, pour le moment, tu n'as pas atteint ton objectif apparemment. Pourquoi? Parce que ton objectif, c'était que tu vas pouvoir te retrouver, que si ton livre se perd, tu vas le retrouver. Et là, en l'occurrence, tu n'as pas écrit ton nom, tu as écrit le nom de quelqu'un d'autre. Malgré tout, on n'est pas grave, parce que c'est déjà un nom conséquent. Maintenant, précision importante, que... sujet très intéressant. Il y a un problème. Vous savez bien qu'on est en hébreu, il y a l'otiot mantzapach, même nun tzadik pechaf, sofit, même nun tzadik pechaf, que lorsqu'elles sont placées alors, en dernière position du mot, alors elles sont différentes de leur lettre initiale. Le même, il y a soit ce qu'on appelle même Ptucha et même Stuma. Le même, normalement, il est ouvert, mais lorsque c'est un même sophite, en dernière lettre, on le met entièrement fermé. Tzadik, Pe, Chaf et Nun, au lieu de replier leurs pieds, on rallonge leurs pieds. Ce n'est pas la même lettre. Donc en fait, question importante que tout le monde, que la caméra soulève. Tu me dis que si j'ai voulu écrire le mot Shim-On, j'ai écrit Shem, je dis rien parce que le mot Shem, il veut déjà dire quelque chose. Mais non, parce que le mot Shem avec un même ouvert, ça n'a pas de... c'est pas comme ça qu'on écrit le mot Shem. Donc j'ai toujours rien écrit pour le moment, même si j'ai mis deux lettres. Parce que deux lettres qui n'ont pas de sens ensemble, c'est le même principe. De même, deux lettres qui n'ont aucun sens, qui ne signifient rien, eh bien tu es pas chayav. Donc Shem Mishimon, c'est pas encore un nom. Sur ça, ça va un peu dans tous les sens. Il y a un avis d'abord qui considère que, a posteriori, même dans la Torah, si tu écris le mot, au lieu d'écrire un même sophie, tu l'écris un même ouvert, au lieu d'écrire on avait le même problème aussi avec Dan et Daniel, de l'écrire Daniel, c'est Dalet Nun. Le Nun, c'est si il est au milieu du mot, il a son pied qui va vers. Ouais, c'est un petit toit, un trait qui descend, et puis après, il est courbé, et il repart dans l'autre sens, vers la prochaine lettre. Or, lorsqu'il est en sophie, il va tout droit, malgré tout. Il y a un avis dans la Gemara qui pense que si tu les écris de manière pas sophite, pas les lettres finales, mais malgré tout, tu t'acquittes du devoir. La halakha n'est pas fixée comme ça. Si vous avez un Sefer Torah ou un Tfilin, au lieu de mettre un Nun sophite, au lieu de mettre un même sophite fermé, on a mis un même normal ou un Nun normal, et bien le Sefer Torah il est invalidé, comme ça on retient pour la halakha.
D'où la discussion maintenant, est-ce que concrètement pour nous, est-ce qu'il faut retenir pour la halakha que Shem Mishimon, on sera chayav, on sera pas d'or parce que ça n'a pas de sens. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, juste une pleine de la sacha koltou, ça va.